Bonjour et bienvenue. Hop là. Très bien. Donc j'étais en dehors à pas ramasser des sacs de couchage en peau d'ours. J'étais en train de faire du coup de l'eau. J'en ai fait un peu. On a 4 litres sur nous, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, honnêtement. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ah, il fait très joli. Mais je crois qu'il fait un peu froid, par contre. Ouais, il fait un peu froid. Donc la dernière fois, on avait eu un bug que j'ai envoyé ça sur le site de Interland parce que apparemment ils aiment pas regarder Steam évidemment, donc faut aller sur leur site. Oui, ils aiment bien regarder Steam seulement si on parle mal d'eux. Et après ils aiment bien fermer les forums et tout ça. Ça ils aiment bien faire ça, mais sinon après regarder les bugs et tout ça ils aiment pas. Donc du coup il faut aller sur leur site et tout ça. Donc j'ai envoyé les screenshots et tout. J'essaie de le reproduire. Là j'ai encore un peu d'eau. J'essaie de reproduire le problème. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne honnêtement. Donc on peut voir que j'en ai fait 14 en tout. J'en ai 14. Tout stacké. Donc j'ai l'impression que si j'en fais un de grand cuit, grande portion et tout ça, que je le mets par terre et que je le ramasse, sans changer de zone, je crois que c'est lié à la zone en fait. Sans changer de zone, on aura le 400 normal. Si on change de zone et que je les mets par terre, que ce soit en extérieur ou en intérieur, hein, c'est juste quand on change de zone. J'ai l'impression qu'ils sont en gros marqués pour bugger. Et du coup, la plupart du temps, genre 99% du temps, si je les mets par terre et je les récupère, c'est du 320. Donc ouais. Donc je pense que c'est lié à la zone. Pas complètement sûr, hein, mais je pense que c'est lié au fait de zoner en fait, avec ça dans l'inventaire. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui on va. J'ai fait ça aussi. J'ai vu que c'est 0,20 pour l'un, parce qu'on en a deux là. Et j'ai vu que si on fait un café, c'est 0,40, donc ça va peser un peu lourd. Déjà qu'on se trimballe déjà des choses comme ça. C'est à peine 0,10, donc ils ont peut-être un peu abusé sur le poids. Mais je crois bien que c'est 0,40 la coupe de café, la tasse de café. Donc ouais, faudra que je vérifie. Parce qu'en fait, c'est quand on essaye d'en faire cuire, ils mettent 0,40. Donc faut voir si c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder quand on en avait fait. Donc voilà. Après pour le feu, j'ai récupéré pas mal de torches, de bonnes torches en plus, 40% et tout ça. Donc on est bon. On a tous les fusibles et les câbles. Ici, il n'y a rien qui a changé honnêtement. Par contre, on est un peu fatigué, mais c'est pas trop grave. Donc ce que je voudrais faire en fait, c'est ça. C'est aller voir la photo. Et je crois savoir où c'est. On n'était pas très loin. Vous savez où j'ai tué des cerfs. Ben voilà, c'est un peu apparemment là. Pas loin, pas loin. C'est vers la montagne en fait. Donc on va aller voir ça. Et on va aller voir si on peut pas utiliser la photo. Est-ce que j'ai... Oui, j'en ai 9, ça va. Donc on va aller voir ça. Je suis retourné aussi. Vous avez vu qu'il y avait plein de nourriture par terre. J'y suis retourné. J'ai cuit quasiment tout ce qu'on avait sur deux cerfs. Et après, il y en a un autre qui s'est baladé à côté de moi. Et il s'est pris aussi une flèche. Donc du coup, c'est pour ça que je suis tombé sur beaucoup de nourriture. Par contre, c'est l'eau. L'eau, à chaque fois, c'est un problème parce qu'on n'a pas de faitout. On n'a pas de réel endroit, en fait, pour faire du feu facilement. Ben voilà, quoi. Toujours la même rengaine hein, par rapport à cet endroit. Donc ouais. Donc, en théorie, c'est par ici. J'ai dessiné là. Et avec les cadavres, en fait, on était proche. Et je crois avoir vu une corde quelque part. Donc, c'est potentiellement la corde. On va aller voir ça. C'est bête qu'il fasse un peu... Il fasse froid là en fait, honnêtement. C'est vraiment bête. Je sais pas où j'avais vu une corde. Enfin, je suis même pas sûr qu'il y avait une corde, mais... Il y a des champignons. Donc ouais, je voudrais faire ça avant de partir. Et une fois qu'on part, on retourne dans la zone d'avant, vous savez, avec, comme j'avais dit, hein, avec les rails et tout ça. Et là, on pourra s'amuser un peu. Mais ouais, je veux absolument partir de cette zone.
Je veux absolument partir d'ici. Avant que je pète un câble. Je crois que je vais être honnête la prochaine fois qu'on... En plus, j'ai passé... petite parenthèse. Depuis notre aurore boréale, j'ai passé, je crois, 2 ou 3 journées. Du coup. Et rien. Pas une autre aurore boréale. Pas de brouillard bizarre. Strictement rien. Donc ça sert un peu à rien de rester là. Ok. C'est sûrement pas là. On va avoir froid, c'est chiant. À ma gauche. Est-ce qu'il faut monter ou pas? Genre monter là ou pas? Non. Vous avez vu, il n'y a vraiment pas beaucoup de bois. Hein. Ici, du coup, je suis jamais venu parce qu'on a vu qu'il y avait les champignons. Il n'y a quasiment rien en morceaux de bois. C'est vraiment une horreur. C'est que des... ceux qu'il faut casser pour 10 minutes la plupart du temps. Et ouais. Je suis en train de me demander s'il faut pas faire tout le tour, en fait, pour y aller. Très très embêtant. Et aussi, je me rappelle même pas de la vue de l'aérodrome abandonné. Fais voir. Où est-ce qu'on les voit ça? Je me rappelle pas du tout. Photo instantanée. En beer, lac mystère. Ok. C'est où le reste? Ah, c'est ça. Lugubre, isolé, sublime, un souvenir qui est que je. Ok. Ouais, non, c'est en hauteur. Hein. C'est complètement en hauteur, donc je pense qu'il faut... Ou alors, la corde que j'ai vue, là, il faut peut-être la prendre, mais je sais plus où je l'ai vue. Je crois que c'est peut-être un peu plus loin. Attendez, on va juste regarder là, derrière ce qu'il y a là. Après, on va rentrer, dormir une heure pour se réchauffer et repartir. Et en plus, on a une tempête. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'adore cet endroit. Là, il n'y a rien du tout. Non, c'est d'être plus profond, plus loin en fait. J'aurais dû continuer. Ouais, je pense que j'aurais dû continuer. Ça fait loin. Je vais être franc, je pense qu'on va partir en fait. Je vais même pas faire la photo. Ouais. Parce que je pense pas que vous vouliez encore une heure de moi qui me plaint quand même. J'avoue que c'est la première fois que je me plains autant en fait d'une zone. Et ça, c'est depuis toutes les saisons que j'ai faites. Hein. Je vais être franc. Oh là là. J'en peux plus. Tiens, on pourrait monter sur le toit. Si les échelles étaient abaissées. C'est marrant ça. On peut faire un feu là-dedans. Ce serait trop bien de pouvoir faire un feu là-dedans. Faudrait des tubes plus gros. Hein. Pour pouvoir faire un feu. Oh là là, qu'est-ce que ça me... Hein.
Ah, ça m'amuse, hein. Oh là là, comment je suis amusé. Je suis amusé, là. Vraiment amusé. On va laisser les bouts de bois ici. Il faut qu'on fasse le tri. Je vais voir un peu. Parce que ça, on n'en a plus besoin d'ici. Donc, on doit les prendre avec nous. Si jamais on n'en trouve pas. Donc, fais-moi peur avec le poids. Alors, les plumes. Les plumes, bon, ça pèse rien du tout. C'est pas vraiment important. Le tissu, il y en a déjà beaucoup ici, mais ça pèse un peu. Alors, le charbon, on va un peu en déposer. On va essayer d'abaisser un peu notre poids. Le marteau, on est obligé de le prendre avec nous parce que c'est super important. Après, ça fait quoi? 3, 6, 9, 12, 15. 1,50 torches, on peut les jeter éventuellement. À un certain moment, si on doit prendre une corde. Après, on a un peu de nourriture. On a de l'eau. On a de l'eau. Ouais, on peut se débrouiller à la limite si on doit, vraiment, vraiment prendre une corde, on peut se débrouiller. Il n'y a pas de container ici. J'aurais bien voulu mettre des reishi, tout ça là. Les champignons et les baies, tout ça, les ranger. Mais il n'y a pas vraiment de container. Si on pouvait genre déplacer un container et le mettre juste là, là. Ce serait vraiment bien. J'ai cassé quelques caisses aussi pour faire du bois parce que c'était comme d'habitude introuvable le bois. Là on a un arc à 100%. On a 0 fût de flèche de fée. On a des allumettes, on va les laisser. Après je pourrais les laisser par terre mais bon. C'est tellement petit en fait. C'est un peu chiant de laisser les choses comme ça par terre. Dormir. On va dormir et on va peut-être partir pendant la nuit. Je vais être franc, on va peut-être partir pendant la nuit. C'est quoi qui fait bip? Ok. On a une aurore boréale. On a une aurore boréale. On peut peut-être essayer de se balader, voir si ça, si la radio réagit. Mais je pense qu'on va partir. Faites, s'il vous plaît, faites qu'il fasse bon. Sérieux. Faites qu'il fasse bon. Comme ça, on peut partir maintenant, genre. Parce que là, on n'aura pas de problème de visibilité normalement avec une aurore boréale. Ça va. Ce qu'on fait, on essaye de reprendre le coup de la route, de la corde là. Ah bah non, je peux pas, c'est la nuit, je vais pas pouvoir dessiner. Ah quoique, attends, je peux dessiner pendant les aurores boréales. En théorie, oui. Je vais être honnête, je sais que ça sert à rien. La radio, là en ce moment. Mais c'est cool, mais c'est cool. Donc du coup, je la sors. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire, le bleu. Donc ça, il faudra du coup activer genre 4 antennes qui nous disent. Et ça, c'est pour les caches. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule cache par zone.
À moins qu'il faut être dans un certain rayon, mais bon, honnêtement, on était un peu en plein milieu de la zone. Donc ça m'étonnerait que la radio capte pas le reste. Bah non, mais de toute façon, on a vu sur la carte la zone qu'elle faisait, donc elle englobe en fait. Ici, donc... Donc oui, hein, y a qu'un seul endroit en fait. Il y a qu'une seule cache par zone sûrement. Enfin, en tout cas, il y a qu'une seule cache ici, ça c'est sûr. J'aime bien faire ça. Hello Houston? Non? Bon, par contre, faut bien ouvrir les yeux. Parce que, comme j'ai... Comme j'ai dit, je suis sûr d'avoir aperçu une corde à un endroit. Plus loin. Chaud quand même. Ah la putain, elle m'a fait peur ce... Pas de corde, j'ai dû la rêver. Ou alors c'est vraiment pas cet endroit en fait. Bizarre. Peut-être là, on dirait un chemin. Mais je vois rien du tout. Quelque chose? Non. Pas une grotte là. Il la manque, non. Allô? Si, il y a une grotte. Ah, si, si, je me rappelle de cette grotte. Tu sais, on l'avait déjà découverte. On est d'accord que je peux dessiner? Oui, oui, parce que c'est en... Waouh! Ah, peut-être comme ça. Comme ça. Comme ça, peut-être. Ouais. On va voir. Je voudrais vraiment quand même faire cet endroit en fait avant de partir, mais comme on a vu, c'est pas très simple en fait. Ouh, la vache.
Wow, la lumière, quoi. En plus, avec l'effet trouble autour, parce qu'on a mal. Bon, par contre, comment on monte, en fait, vers la maison où on était, là? Est-ce que ce passage est pour revenir? Du coup, c'est genre par là-bas et après remonter, ou alors on peut y aller là-bas, par ici. Et moi, je sais plus. Mais... Je vais encore me péter une cheville. Oh la vache. Non, une poignée parce que... Enfin, un poignet, pardon. Parce que apparemment, je monte à quatre pattes. Oh la putain de sa mère. Vache. Ah, le mauvais timing, quoi. Tais-toi, c'est pas le moment. En train de regarder pour un endroit où on peut se mettre à l'abri. Pas l'air d'avoir grand chose. Là, on est parti loin. Et c'est dangereux. Faudrait qu'on mette nos crampons. C'est bon. Faut que je prenne mon temps pour prendre le couteau, en fait. Douleur, on est bon, les vêtements. Ça va, c'est bon. Faut que je prenne mon temps parce qu'à chaque fois, honnêtement, on a de grave le temps. On a grave le temps. Donc faut juste que je prenne mon temps pour prendre le couteau. Là, on a pris la hachette. Honnêtement, il va mourir en plus. Hein. Bon, par contre... Si on trouvait la maison. Voilà. On rentre. Que je me rappelle de cet endroit. Je crois pas qu'on soit resté très très longtemps ici. Ok. Bon bah ça va. On a eu un peu peur. Honnêtement, il y a eu plus de peur que de mal.
Plus de peur que de mal, donc ça va. Ok, on va pouvoir dormir un peu. Peut-être réparer un peu nos vêtements. Je crois qu'il y a ça. Enfin, honnêtement, je sais pas s'ils ont pris cher. Je dirais qu'ils ont même pas pris cher. Je pense qu'ils étaient juste abîmés. Je pense qu'ils étaient seulement abîmés. Ça fait longtemps que je les ai pas réparés. Ça c'est bien, on l'a mis en deuxième, parce que comme ça il est protégé par le sac, si jamais on a une grosse contusion, là, enfin un déchirement ou je sais pas quoi, comment ils disent. Ok, ça va. Ça va, on a eu un peu peur, mais ça passe, vous inquiétez pas, tout va bien. On va dormir le plus possible, et on va essayer de récupérer un peu de vie. Tant qu'on y est, on va faire ça. Ah, je peux pas trop dormir. On peut pas faire plus de... Un peu plus. Une heure. Vu qu'on a le temps et tout. Par contre, faire gaffe que là... Ouais, voilà. Évidemment. Évidemment. Mais ouais, je pense qu'on va partir dans pas très longtemps. Si là je trouve pas l'endroit pour la photo, honnêtement, on va partir. Et la seule fois où je reviendrai, ça sera pour... Oh la vache. Bah attendez, je peux. Je peux faire ça. La seule fois où je reviendrai, ça sera quand on aura... Travois et tout ça. Je reviendrai pas avant. Honnêtement, je reviendrai pas avant. C'est vraiment pas la zone fun, en fait. Je voudrais bien passer aussi... niveau supérieur à la cousure. Couture plutôt. Non, oui, non. Non, non. Il y a combien? Presque, hein, presque, presque. Il faudrait qu'on puisse favoriser des objets, genre dans l'inventaire, ça serait vachement sympa. Faut faire un matériel de pêche avant de partir. Quoique, il est encore... On est encore le début de la journée, autant en profiter. Ok, il fait joli. Ah, il fait froid. C'est embêtant, ça. Embêtant qu'il fasse aussi froid. Je suis sûr que j'avais vu une corde, je sais plus où. Incroyable. On peut rester un petit moment là, chasser et tout ça, si on veut. C'est sympa. On va pas le faire, parce que c'est pas vraiment... Il y a même des lapins, apparemment. Mais ça nous intéresse pas, mais... On peut. On va essayer de s'avancer en bordure, là. C'est peut-être là, je sais pas trop. Genre peut-être là-bas. Ça serait là. Et là on a une belle vue.
Did I say I hate being cold? Because I really do. Voir un peu où on est. Non, quoi, non, pas du tout. On peut faire. Non, oui, je crois qu'on peut faire un feu. Au pire, comme ça, on se. Se chauffe. On va voir si j'arrive à récupérer pas mal de bois ou pas. Ah, elle est là, la corde. Je savais bien que j'avais vu une corde, du coup. Je l'ai pas rêvé, mais c'est pas là, du coup. Comme ça, ça nous fatiguera. On pourra dormir. Tu j'ai pas mis mes crampons exprès. C'est juste là, c'est juste que je l'ai pas vu pendant la nuit. Ah, c'était vraiment à côté. Bon, on va rentrer. On va rentrer. Oh, on a perdu énormément de vie, hein, entre l'attaque... L'attaque et le froid, ça nous a fait très mal. Bon. Faudrait qu'on... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Attendez, il y a plus de viande de l'autre côté. J'aurais dû monter l'escalier du coup. Est-ce qu'on essaye de passer un peu le temps, histoire de dormir pendant la nuit? Peut-être qu'on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? On peut faire des fûts de flèches. Ça peut être utile, ça peut toujours être utile. Casser des caisses pour faire du bois, ça peut toujours être utile. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ou alors je dors maintenant et on sort en pleine nuit. Bien. J'ai encore de la tisane et tout, mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas... On n'est pas... Ça va, quoi. Alors, avant de partir, si on faisait un peu de couture, à la limite. Je vais voir. On avait le pantalon. Le pantalon, c'est une fourrure, un boyau. Très bien. Fourrure, un boyau. Très bien. On n'a pas beaucoup de boyau, on n'a pas beaucoup de fourrure. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. Après qu'est-ce qu'on a? Ça on peut le faire. Ouais, ça nous fait passer du temps et c'est utile. C'est utile. Ouais, ça c'est pas mal là. Là c'est pas mal, je suis content. Et après on se casse d'ici. On va essayer de dormir le plus possible pendant la nuit.
Se fatiguer le plus possible, dormir le plus possible. Comme ça, on récupère le plus de vie possible avant le grand départ. Fais voir un peu qu'est-ce qu'on peut recoudre encore. On a ça, c'est juste du lapin, on peut le faire. Deux lapins. J'ai ça. Je voudrais vraiment passer niveau 4 par contre pour la couture, je vais être franc. Je voudrais vraiment passer niveau 4. C'est tellement dur à monter la couture. Les peaux de lapin, on en a pas mal. Mais je crois qu'à chaque fois, il faut des boyaux en fait. Donc j'avoue que ça c'est. Ouais, c'est un peu la galère ça par contre. À chaque fois, je me mets comme ça à regarder le vide. C'est pour que il y ait la petite animation pour dire qu'on est passé niveau 4. Mais on l'aura jamais, je crois. En tout cas, pas maintenant. Pas dans cet épisode. C'est triste. Ouais, non, mais c'est pas maintenant. Ouais, on a encore pas mal de niveaux à faire. Enfin, pas mal de choses à faire. J'avais pensé à un truc aussi. Parce que je me rappelle que quand je jouais avec des mods et tout ça, j'avais un mod pour afficher la console en fait, et pour tester en fait tous les différents mods qu'ils apportaient, parce que ça apportait en fait beaucoup d'objets différents, de nouveaux objets différents, et je me les faisais apparaître dans l'inventaire pour les tester. J'avais même une sauvegarde exprès que j'avais appelée test et tout ça. Et ça me permettait de faire pas mal de tests avec toutes les nouveautés des mods en fait. J'étais en train de me dire, je pourrais faire pareil dans celui-là et on pourrait se rajouter. Parce que j'ai envie de dire, on a déjà un couteau de chasse, honnêtement, qui est complètement legit, étrangement, qui est complètement legit. Hein, on l'a trouvé, hein, hein, faut pas trop en demander. Hein. On l'a trouvé. Par la faute de Interland, encore une fois. Mais j'étais en train de me dire, pour avoir les nouveaux objets, en fait, les objets uniques qui existent dans le jeu, qui ont été rajoutés, que bien sûr n'existent pas en mode intrus, hein, pour ne, je sais pas quelle raison. Mais je sais qu'il y a une variante de l'arc, par exemple. Par contre, la variante de l'arc, je crois qu'on peut pas le réparer, parce que l'arc, on peut pas le réparer. L'arc, on le jette une fois qu'il est abîmé. Donc, à la limite, je crois que ça sert un peu à rien, l'arc. Mais bon, juste histoire de l'avoir, juste histoire de le tester, je me suis dit pourquoi pas se le faire apparaître si je peux le faire. Et après, les armes à feu, peut-être, à un certain point de jeu. Mais c'est surtout pour s'amuser dans un sens et pouvoir augmenter tout ça, là. Genre armes à feu et tout. Après, fabrication de munitions, ça, on peut le faire de notre côté. Puis on a des livres, hein, évidemment. On a toujours des livres, hein, pour tout, de toute façon. Mais ouais, j'avais pensé à ça. C'est pas vraiment dans l'intention, genre tricher. Parce que honnêtement, survivre, c'est plus vraiment un problème pour nous. Ça fait quand même des années que c'est plus un problème. Mais j'avais pensé à ça. Qu'on se mette des choses juste pour le kiff, en fait. Faire ça. Puis en plus, ça serait beaucoup plus dur pour nous. Parce que si on a une arme à feu. Ah oui, mais si on a une arme à feu, on n'a pas de kit. Ah oui, mais on n'aurait pas de kit de. Pas pour les réparer, mais pour les nettoyer. Ouais, on n'aurait pas ça. Ouais, non, du coup, ça serait compliqué. Ah, parce qu'après, je me suis dit, ouais, pour les munitions, en fait, c'est super dur pour nous, parce que nous, on est vraiment obligés de trouver les objets et se fabriquer les munitions nous-mêmes, parce qu'on ne trouve pas de munitions en intrus. Mais j'avais pas pensé au fait qu'il faudrait des kits pour. Ouais. Après, si je me fais apparaître des kits aussi, ouais, ça fait un peu trop quand même. Je sais pas. J'avais pensé à ça juste pour le fun. À un certain moment du jeu, si on tourne un peu en rond. Genre, on s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous ferait des autres aventures un peu différentes. En tout cas, on a. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On va dormir. Là, on est bien là pour se remettre de la vie, là. Là, on est très bien. Voilà, là, on a.
Elle se repose super vite, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle reprend ses forces super vite. Pourquoi on est à 41 maintenant? C'est parce qu'on a mangé, toute notre eau et on a bu notre viande. Je crois que c'est pour ça. Putain. Oh, le cerveau qui dit nawak. Les vêtements sont réparés. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, attendez, je crois. 1, 2, 3, 4. On a 4 litres 20. Ok. On va aller prendre de la viande de ce côté-là et on se casse. Je pense. Notre arc, est-ce qu'on a besoin de l'échanger avec l'autre qui est à 100%? Honnêtement, non. Non, ça va. Enfin, quoique, on pourrait le faire, hein, franchement. Je pourrais prendre l'arc qui est à 100%, comme ça. Parce que ici, on va pas y revenir de sitôt, hein, putain. Ah non. Une tempête. C'est moi ou on dirait qu'il y a un quadrillage? Ou c'est mes yeux qui me jouent des tours? Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, avec la compression sur YouTube. Je sais pas. On dirait qu'il y a un quadrillage. Oh, ça fait bizarre. Waouh, c'est. On dirait. Ça hypnose. Ouah, c'est chelou. Ouais, pardon. On va rentrer. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de regarder. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Les champignons, on peut faire les champignons, puis on repart. On va voir. Il nous faudrait... Ah oui, attendez, j'avais dit que... Voilà, on ferait ça. Donc on va poser l'arc ici. Voilà. Très bien. On va faire... ça. C'est que deux. Il fait jour bientôt, donc ça va. C'est pas trop grave. On n'a pas de peau d'ours ici. On n'a pas d'ours. Enfin, si on a vu des ours, je crois, mais on n'a pas tué d'ours. Attendez, est-ce que je dis pas de conneries? Je crois. Non, je crois pas. Ça, je vois quasiment rien. Non, on a du loup et du cerf ici. On n'a pas d'ours. Il n'y a pas de problème. Très bien. Est-ce qu'on attend ou pas? Allez, cassos. Sauf si vraiment il fait mauvais temps. Mais sinon, cassos. Et quand on sera sur le chemin pour monter, on verra si on peut trouver vraiment le moyen de faire la... Oh putain, t'es sérieux. Charbon, on n'en a qu'un seul. Ah ouais, mais en fait, la zone, elle veut même pas que je parte, en fait. Genre la zone me déteste comme je la déteste, mais elle veut pas que je parte. Magnifique cet endroit, c'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre encore un steak de l'autre côté. Je vais prendre un steak de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Les vêtements, j'ai plus besoin de les raccommoder.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je m'excuse, c'est pas palpitant, on n'a pas trouvé l'endroit pour faire la photo encore, on tourne un peu en rond. On va le trouver éventuellement, mais c'est honnêtement, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je voulais prendre... Ah oui, des charbons. Voilà, 4, c'est très bien, 4. Du coup, j'ai rien à faire en fait. Ah si, attends, on peut faire passer ça. Ouais, on peut faire ça parce que... Ouais, on a du tissu, donc on peut prendre un peu le temps d'utiliser du tissu. Ouais, on va faire ça, c'est bien. Réparer. On va réparer les deux objets, puis après on dort. Hop. Il y a aussi les nouveaux vêtements. Je voudrais bien savoir si on peut les récupérer en intrus. Enfin, on m'a dit que oui, mais pour moi surtout. Est-ce que c'est possible? Vu qu'on a fouillé pas mal de zones. C'est vrai que ça m'embête que ça soit pas craftable. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'ils sont quand même, comme je disais, hein, je crois qu'ils sont mal dirigés, hein, Interland. Ils ont pas les bonnes idées aux bons endroits, en fait. Ils ont des idées, mais ils les font mal. Ok, on va sortir. On peut rajouter tout ça en intrus, il suffit juste de rajouter tout ça en craft en fait. Ah non, mais sans déconner. Putain, je voudrais partir. Je voudrais partir. Non mais c'est fait exprès quoi. Et sinon, vous aimez la zone ou pas? Comment ça se passe? Bon, là, je tombe à court de conversation. Là, je vais être honnête, là, je sais plus quoi dire. Là, je sais vraiment plus quoi dire, là. Parce que là, il y a plus rien à faire. Là, il y a strictement plus rien à faire. Je peux aller faire des fûts de flèches, comme j'avais dit. On peut faire ça. Ça, c'est à 40%. On n'a même pas de pierre ici pour aiguiser. On n'a même pas de pierre, maintenant que je m'en rends compte. Allez, on va faire des flèches. Alors, en plus, faire des flèches, c'est très chiant parce que, encore une fois, hein, je me plains pas. Hein. Je dis juste que commencer. Hein. Faut descendre, faut une lampe, déjà, pour voir où on va. Faut déjà une lampe. Puis après on va crafter dans le noir parce qu'on va pas laisser la lampe allumée parce que ça serait con, ce serait de la perte. Non, 30 minutes. Donc on crave dans le pur noir, c'est magnifique cet endroit. Magnifique. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on peut partir. On est un peu fatigué, mais ouais, ça peut aller.
ça. J'ai un fût sur moi, on va le garder. Allez, ciao, endroit de malheur. On a tout, hein. Dernière vérification. Ouais. Allez. Cassos. Et comme j'ai dit, la prochaine fois qu'on revient ici, c'est vraiment quand on aura du matériel. Genre, du nouveau matériel de DLC. Hein. Genre, travois, trucs comme ça. Hein. Je reviendrai pas avant. Je reviendrai pas du tout avant. Bon, on n'est pas très fatigué, donc on peut passer notre temps à sprinter. Donc, pour la photo, c'est genre là-haut, en gros, je pense. Donc, peut-être si on monte, une fois qu'on est dans les montagnes, je sais pas, on verra. On va regarder au passage si on n'a pas loupé des glands. Et on se casse. Bon, après, on pourrait, comme j'ai dit, hein, visiter là-bas et tout ça. Il y a la maison, l'endroit est pas trop pourri non plus. Enfin, dans un sens, si, j'ai envie de dire que l'endroit est un peu pourri parce que je crois que c'est le seul moment, je vais être franc, hein, de toutes mes saisons où je suis tombé à court de flèches. Je crois. Parce que j'étais tellement bloqué dans la zone et on n'avait pas de bois pour faire des flèches. Ou alors pas de... Non, si, si, y avait un établi. Je me rappelle plus s'il y avait un établi. Maintenant. Mais ouais, je suis tombé à court de flèches. Première fois que ça me le fait. Toujours super préparé, voire trop préparé. Et là, c'était la première fois. Donc ça, on ira plus tard. Comme j'ai dit, travois. Moi, je veux un travois. Par contre, pour partir, c'est où? Par là-bas, pas par là. Hein. Chaque fois, je me rappelle plus. Ouais, c'est par là. Aussi, un truc que j'ai pensé. Vu ce qu'ils ont fait, Interland, par rapport aux histoires et la radio et tout ça. Ouais, on va pas les mettre en intrus parce que la balance, machin, patin, couffin, tout le monde a gueulé, ils l'ont mis. S'ils font la même chose... pour le travois ou genre le thermos ou je sais pas trop quoi ce qu'ils veulent rajouter, si jamais ils font la même chose, c'est qu'ils mentent en fait, tout simplement, c'est qu'ils sont complètement cons, honnêtement, parce qu'ils ont dit oh, on voit que maintenant les gens y a certaines personnes ne jouent strictement que en intrus et que les gens ils aiment les histoires, c'est pas par rapport à la difficulté, c'est par rapport au contenu. Enfin ouais, bah, évidemment que c'est par rapport au contenu. Enfin bref, si jamais ils sortent le fait que « Ah non, mais le travois, c'est pas pour l'intrus », je pète un câble. Et ils vont se faire insulter encore de nouveau. Ils ont intérêt d'avoir appris de leurs leçons, hein, parce que là, ça serait vraiment foutage de gueule. Bon, très bien, on va pouvoir... Et là-bas, il y a quoi? Ouais, mais du coup, là-bas, c'est les maisons, en fait. C'est la maison où on était. En gros, ça serait... vous prenez l'aéroport, vous longez le côté gauche, en fait, ce chemin-là. Qui tourne. Il faudrait qu'on s'arrête au moins au petit bungalow, juste avant... Vous savez, c'est celui-là qu'on prend, qu'on s'arrête juste avant de descendre à l'aéroport. Il faudrait faire ça, en fait. Et je pense que ça sera la fin de notre épisode. Du coup, on n'a pas fait énormément de choses. On a eu une petite excitation dans la nuit, là, avec le loup vert, mais... C'est à peu près tout, hein. Je suis un peu déçu, j'avoue.
En tout cas, si jamais ils font encore une connerie, genre ils rajoutent pas les objets spéciaux en mode intrus, honnêtement, ça va être mode, ça va être commande, ça va être je me fais apparaître les objets. Alors là, c'est bon quoi. Il y a une cascade. Il y aurait une grotte. Ah non, on peut même pas monter. Là, on dirait qu'il y a un chemin aussi. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas cette zone que je veux visiter. Donc, on se casse. C'est la zone d'après. Avec les rails et tout ça. Là, cette zone est fun. Pour moi, je la trouve super cool. Donc là, on va visiter. Faire attention qu'on n'ait pas de loup. Ok. Ok, ok, ok. Parfait, 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 parfait. Alors... Je crois que c'est un peu dangereux de faire tout le chemin maintenant, non? Je vais être honnête, je voudrais bien aller dans la prochaine zone. S'il fait bon, honnêtement, j'espère vraiment qu'il fait bon. Vas-y, s'il te plaît. C'est pas si mal. Parce que là, ce chemin, par contre, d'ici jusqu'à l'autre zone, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Mais le temps est pas si mal, donc on va pousser un peu, l'épisode va être un tout petit peu long. On va pousser un peu. Ah oui, non, là, regardez là, il a fait bon là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On avance. C'est bon. Alors, en théorie, si je suis bon à faire des cartes dans ma tête, là on est l'aéroport, genre il devrait être là. Donc on serait dans la direction pour s'aligner avec l'endroit où il faut prendre la photo par exemple. Je crois. Mais bon, je pense qu'il faudrait monter sur les montagnes. Je vais être honnête, je vois pas comment y aller pour le moment à cet endroit précis pour la photo. J'essaie de m'imaginer le truc, mais... Ah, attends, peut-être là. C'est vrai qu'à chaque fois, je trace pendant ce chemin-là. Ouais. Je me demande quand est-ce qu'ils rajouteront le reste. La partie 3. Sûrement en fin d'année, peut-être. Enfin, je sais pas comment ils vont faire. Enfin, il reste encore pas mal de temps pour cette année. Peut-être en été. Genre, est-ce que ça serait pas ça? Genre, juste cet endroit, en fait. Non, c'est plus là-bas.
Ok, faut pas tomber. Non, c'est plus là-bas. Je sais pas, c'est très bizarre. Je vais être franc, je vois pas vraiment comment. Il va commencer à faire nuit, mais il fait encore bon. On n'est pas extrêmement fatigué, donc on sprint le plus possible. Comme ça, on va pouvoir soigner. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, de bien gérer son... Ne pas être bloqué dans le fait qu'on puisse pas dormir. Ça, c'est horrible. Ça peut tuer, hein, ça peut tuer. Le fait de on soit bas en vie. Je suis déjà allé, là, je crois. Genre qu'on soit bas en vie. Oui, c'est bon. Les baies sont plus là. Mais qu'on soit en pleine forme, en fait. Qu'on puisse pas dormir. Ça tue votre run. Ça c'est une horreur, ça. J'avais beaucoup de problèmes quand j'avais fait la saison custom. C'est là que j'avais mis des mods, je crois, au bout d'un moment. Saison custom, c'était... il fait tout le temps nuit. Je crois. Je crois que c'était ça. Il fait tout le temps nuit. Et on a le... le fait qu'on reste plus éveillé plus longtemps pendant la nuit. Et je vais être franc, c'était super dur au début. Enfin, même pendant très longtemps, ça a été super dur. Parce que... on perdait de la vie. Oh, c'est pas là. On perdait de la vie. Parce qu'il faisait froid. Et je pouvais quasiment jamais dormir, en fait. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. Donc, du coup, vous savez que... on gagne plus de vie si on dort beaucoup d'affilée. Genre, vaut mieux dormir pendant 10 heures d'affilée en une fois que faire une heure. Et j'arrivais pas à me remonter ma vie. Ça, c'était super difficile. Faut pas croire que... Genre, le fait d'être en forme tout le temps, c'est pas bon, hein. C'est assez marrant dans un sens. C'est paradoxal en fait, c'est drôle. Donc ouais, ça c'est un risque. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de bien gérer sa fatigue et tout. Là j'ai peut-être... Par exemple là j'ai trop sprinté en fait. Là je devrais plus me ralentir, mais bon. On est bientôt arrivé, j'ai pas envie de perdre plus de vie que ça. On est bientôt arrivé, je crois. Peut-être encore deux ou trois tournants et hop. Je crois qu'on a des lapins à un moment, non? C'est pas maintenant les lapins? Bah, honnêtement, je vais pas les prendre avec moi maintenant. Après, on a beaucoup de calories sur nous. Alors, on a quelques massettes, c'est pas vraiment ça le plus. Mais le plus, c'est les glands, là. On a 14 de fées, des grandes portions. Donc c'est 14 fois 400. C'est énorme. Et ça fait moins de 2 kilos. Je crois qu'on a à peu près 5000 de calories juste avec les glands pour moins de 2 kilos. C'est abusé, non? Je trouve que c'est un peu abusé. Si j'étais pas pressé par le temps, je ferais une pause là, je mangerais le lapin, franchement. Mais j'ai juste envie d'avancer là. Comme ça, la prochaine fois, on pourra commencer la zone. On pourra explorer la zone. Et honnêtement, si ça se passe bien, je veux bien la faire entière, tout ce qui est autour de la gare, là, la petite gare. Genre, on a juste le côté avant, on dirait limite un marécage, parce qu'il y a tellement
d'arbres et tout, mais c'est... Il y a l'air d'avoir aussi une sorte de lac gelé, enfin des mares gelées partout. Donc pour moi, ça ressemble à un marécage gelé. Oh tiens, j'avais pas fait attention à ça. Ah bon, on peut pas y aller là-haut. Vous croyez qu'on peut? Non. Non, merde, putain, je me demandais ce qui se passait. J'ai changé de zone. Je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Le jeu a freeze, a crash. Ça montre même pas qu'on change de zone si on est à l'envers. J'entends quelque chose à ma droite. Non, je crois que c'est juste de la des cailloux. Allez, on y est presque. Allez, ligne droite, ligne droite. On va pouvoir dormir, bien dormir. On va être bien fatigué. On va être full vie. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture en avance. Donc pas besoin de stresser pour ça pour le moment. Il n'y a pas de problème. Par contre, on a aussi un problème ici, c'est pour le feu. Si je dis pas de conneries. On a ici. Ah, mais non, attends, il y a une cheminée, je peux faire du feu à l'intérieur. Il y a combien de... Attends, il y a combien de places dans l'âtre? Une seule. Ah non, il y a deux. Ouh, cool. Ouais, on peut faire du feu ici. Bon, après, je crois que, vu qu'il est considéré en intérieur, il n'a pas le bonus du fait que, vous savez, plus il fait froid dehors et plus ça dure longtemps. Je crois qu'il n'y a pas ça. Après, on a aussi un problème, enfin, un problème vite fait, hein, c'est que... On n'a pas de lit, donc en théorie, on est tout le temps obligé de faire notre sac de couchage. Mais c'est pas très grave, hein, franchement. C'est pas... De toute façon, il perd des pourcentages par magie, donc... ouais. C'est pas vraiment grave. Bon, ben voilà. Donc ici, je veux bien fouiller un peu. Je vais être franc, je veux bien faire un peu le tour. Et dès que je sens qu'on a plus ou moins fait le tour, hein, c'est-à-dire que... Genre, là, je veux bien fouiller. Donc ça, c'est pour aller vers l'autoroute. Donc nous, on a descendu ça. Donc je voudrais bien dessiner là. Là, c'est une sorte de cul-de-sac avec des lapins. Je veux bien retourner là pour visiter un peu le... Bah, le marécage, entre parenthèses. C'est comme ça que j'appelle. Peut-être la zone ici. Ouais, je veux bien faire cette zone parce qu'elle a l'air petite. Et plutôt sympathique. Donc je veux bien faire ça. Y a des arbres de partout. Il y a des protections, en fait, de partout pour le vent. Donc ça, c'est pas grave. Le temps a pas l'air d'être pourri non plus ici. Donc ça va. Donc ouais, je veux bien. Après, le problème que j'ai vu, c'est potentiellement la nourriture. Il n'y en a peut-être pas assez pour qu'on reste très longtemps. Ça, on verra. Là, on a encore ça, hein, comme j'ai dit. Hein. On a ça, on en a beaucoup. Mais c'est possible qu'on soit à court de nourriture. Assez vite. En tout cas, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.